Eh bien salut tout le monde, c'est Libyan31, aujourd'hui je vous propose du FIFA 14 Ultimate Team Coupe du Monde et on va partir à la conquête de ce fameux trophée pour la troisième fois consécutive puisque la première fois on s'est fait éliminer en huitième de finale et comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, je me suis fait éliminer en demi-finale aussi. Pas forcément mérité, mais bon, on a été éliminé quand même. Donc aujourd'hui, on redémarre. Et en plus de ça, on va redémarrer avec votre aide, puisque je vous avais proposé de m'apporter toutes vos idées dans l'épisode précédent. Et vous avez été nombreux à réagir. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé. Et en grande majorité, je dis bien en grande majorité, vous avez choisi le 4-3-3 avec lequel on va jouer aujourd'hui. Donc j'ai mis un 4-3-3-2. Donc c'est un 4-3-3 resserré avec un milieu défensif. Donc Matuidi, je pense que là, en sentinelle, il va tout détruire. Et puis après j'ai mis Götze en milieu central avec Pogba. Alors Götze normalement est en milieu offensif, vous m'avez conseillé de le mettre, il n'y a pas de place pour l'offensive, on va le mettre en central et je pense que ça devrait le faire. À gauche Depay, eh bien il est fatigué donc j'ai mis Ashley Young et devant Dzeko est blessé, ou je crois, ouais il est blessé, du coup j'ai mis Loïc Rémy qui est vraiment très très bon, vous allez voir, c'est vraiment un vrai buteur, il a beau avoir que 78 mais il est vraiment très très fort. Allez, recherche d'adversaires, on commence aujourd'hui avec les phases de poule, deux matchs comme d'habitude. J'espère que les serveurs ne vont pas trop merder parce qu'aujourd'hui c'était pas forcément la journée. Ça merdait un petit peu beaucoup. Donc j'espère qu'il va me trouver quelqu'un. Oui, c'est nice ça. Allez, un japonais. Par contre là j'ai des couleurs qui sont un petit peu bizarres à l'écran. Ok. J'ai des couleurs qui sont vachement accentuées là. Alors je sais pas si ça vous le fait, j'espère que non. Si c'est le cas, ben je m'en excuse. Oula, alors lui, il a une équipe qui a 80-59 de collectif. Qu'est-ce que c'est son équipe, là? Alors, oulala, ou 80, ah ouais, Léo Messi, quand même, 98 devant, ça pardonne pas. Après, par contre, il a une équipe, oh, il a Canfive en goal, quand même. Attention à Canfive, David Villa à gauche, ouais, non, non, il a quand même du beau monde, hein. J'avais pas forcément vu, mais il a quand même du beau monde. Allez, c'est parti. Et la France qui affronte le Japon ici dans le Maracana. Let's go quoi. Passe la feinte de frappe. Oh elle est bonne, l'enroulé pied gauche. Ouh, Akenfive. Elle était bonne cette passe de Loïc Rémy pour De Bruyne, la frappe. Et Akenfive qui repousse. Hein. La grosse mine de Loïc Rémy. Oh là là, Akenfive qui s'envole encore. Mais c'est pas vrai con. Il va me les bulbes celui-là con. C'est bien fait ça. C'était bien fait. C'est pas vrai Akenfive encore une fois. Pourtant j'ai croisé mon tir. Hein. Elle est bonne Ashley Young, tu te bats. Oui Ashley Young. Oui mon petit, oui jusqu'au bout. Allez la frappe. Oulala, oulala, Paul Pogba. La frappe de Pogba. Et Akenfive qui est obligé de repousser. Passe, et il y a de l'espace aussi pour Loïc Rémy. La reprise est passe à côté encore une fois. Et c'est la mi-temps. Aïe 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 aïe, 0-0 à la mi-temps. Et vous allez voir les stats là par contre. C'est limite impardonnable ce que je suis en train de réaliser. Je crois que ça va rentrer dans le livre des records limite. Regardez, 13 tirs, 6 cadrés, 0 but, 51 de possession, le mec a fait 0 tir, et je ne marque pas, je n'arrive pas à marquer, je tombe sur un mur en face. Que ce soit Akenfive ou Neuer, c'est toujours les mêmes qui me cassent les bonbons, alors que pourtant avec moi Akenfive, eh bien il est super nul. Allez, en termes de cette deuxième mi-temps, pour l'équipe de France, on va aller chercher un but, parce que là on peut pas rester sur un match nul bien sûr. Ça c'est bien vu. Allez l'enroulé de Loïc Rémy. Ah oh, c'est pas vrai quoi. Encore lui. Allez. Oh c'est quoi cette aile? Cette aile de pigeon là. Le centre en retard. La tête de Loïc Rémy. C'est pas vrai. Akenfive encore. Mais qu'est-ce qui me sort là? Allez le centre. Boum la reprise. Oh la transversale. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Quelle action de feu. C'est pas fini. Vous gênez pas. Putain ils se sont gênés quand. Penalty. Oui penalty. Oui monsieur, alors je sais pas où est la faute, j'aimerais bien revoir parce que là j'étais à fond dans mon action, j'ai frappé, il y a ce qui m'a taclé, voyons voir, regardons ça, la frappe, ah derrière, bon c'est un penalty injuste, alors là par contre je ne mérite pas du tout ce penalty parce que il a fait une faute avec un joueur qui ne contrôlait pas et c'est juste une petite bousculade, donc bon Baines au penalty, oh, il a quand même 92 quoi, bon allez on va laisser Baines, alors... Allez mon petit, je tire à gauche. Oh! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Baines pour la rédemption, c'est pour Loïc Rémy l'enroulé! C'est pas vrai, Akenfive encore! Mais c'est pas possible ce goal! Je vois Loïc Rémy arriver comme un tabanard au centre. La tête peut-être de Loïc Rémy! La tête! Oh, Akenfive encore! C'est pas possible!
C'est une blague. Allez, pour Loïc Rémy. Je t'en supplie, Loïc Rémy, sors-moi un miracle. Sors-moi un miracle, Loïc Rémy. Oui, le miracle. Le miracle. Loïc. Loïc Rémy. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là, vous n'imaginez même pas la transpiration sur mon front là, tellement je... Oh. Loïc Rémy, 90e minute, enfin un but, enfin quoi. Le soulagement quoi. Les 3 points. Ah non, on pouvait pas terminer ce match sur un match nul. Non, 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 c'était pas possible. Vous allez voir les stats à la fin, mais là, c'est à mourir de rire, quoi. C'est le pire match de ma vie sur FIFA, quoi. Allez, allez, bonne salle pour Ashley Young. Ashley Young. Allez, Ashley Young, l'enroulé. Et le 2-0. Le 2-0 d'Ashley Young qui a fait l'effort jusqu'au bout. Magnifique. Ah là là. Ah ouais, là, on est heureux. Là, on est heureux quand même. Là, on est très heureux même. Il était temps. Et victoire, premier match, victoire, 2 buts à 0. Laissez-moi vous montrer les stats et s'il vous plaît, prenez le temps de les regarder correctement parce que c'est, je crois, le pire match de toute ma vie sur FIFA. Encore, j'ai gagné, donc ça va, ça rattrape un peu les choses. Mais vraiment, regardez, déjà, j'ai marqué à la 90e et à la 92e quand même. Ce qui montre déjà tout le bordel du match, c'est que j'ai pas été foutu de marquer pendant 90 minutes. Il a fallu que je marque à la fin. Alors, s'il vous plaît, faites un arrêt sur image. Sur les stats, vous allez les voir, donc gagner ça, on s'en fout. Godze, homme du match, Loïc Rémy un but, Godze et Baines pour une passe décisive, on gagne 500, ok, très bien. Regardez ça, 33 tirs, 19 cadrés, et pendant 90 minutes, il y avait 0-0 quand même. C'est pas dégueulasse quand même, le mec n'a fait aucun tir. Hein. Je précise, j'ai failli faire match nul contre un mec que je dominais à 300% quand même. Ça fait peur, ça fait très peur. Très très peur même. Allez, on se retrouve immédiatement pour le deuxième match. A de suite. Ok, on a trouvé un anglais. On appuie. Ok. Donc c'était quoi? C'était un japonais juste avant. Ouais, c'était un japonais quoi. Oh là là, il m'a fait peur ce match. Il m'a fait très très peur hein, quand même. Oh putain, le match de ouf quoi. Alors, ouh là ça change. 87, 100%. Attention l'équipe, voyons voir. Miroslav Klose qui est invincible devant. Avec Ribéry, avec David Silva, Müller, Schweinsteiger, Pogba, Eden Hazard, Kompany, Barzagli, Boateng et Emmanuel Neuer. Donc, je vais vous donner une stat quand même. C'est-à-dire que lorsqu'il y a Emmanuel Neuer, excusez-moi, eh bien, je ne gagne pas un match. Donc, dans la logique des choses, je devrais perdre ce match. Est-ce que la chance va être avec moi cette fois-ci? Est-ce que je vais enfin battre le rempart Neuer? C'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti, première mi-temps. Attention, il était passé quand même. Oh là là, oh là là, quelle erreur de remettre dans l'axe. Qui c'est qui m'a fait ça alors que j'ai pas du tout mis le joystick dans l'axe. Qu'est-ce que c'est ce match là? Ça commence en cafouillage comme ça là. Oh la reprise directe, c'était audacieux ça quand même, c'était un peu... Oh pour Depay, on a remis Depay l'enroulé, Emmanuel Neuer. Et voilà, Neuer ça ne marche pas les enroulés sur lui, il n'y a rien qui fonctionne. Pour Blaise Matuidi qui va aller se battre pour avoir le ballon. Oui. Oui, monsieur. Oh, my fucking God. C'est pour Depay, la grosse frappe en puissance de Depay. Et cette fois-ci, ça rentre, Neuer qui est battu. 1-0. Deuxième tentative pour Depay. Et cette fois-ci, en force, ça rentre. Et oui, c'est comme ça qu'il faut jouer avec lui. Et on notera surtout la très très belle passe en profondeur de Loïc Rémy. Et derrière, très très belle frappe de Depay sur son pied droit. Allez, 1-0. 26 minutes. On est pas mal, il faut continuer sur ce rythme. Il y a une petite faute quand même, attention, ça tricote dans l'axe, la frappe. Oh là 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 là. Adler qui est obligé de repousser. Et ouais, moi j'ai que des goals qui tapent des claquettes. Moi là, j'aurais eu un Manuel Neuer, il aurait intercepté mais sans la claquette quoi. Oh là là. Oh là là, mais non, mais pourquoi? 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 C'est quoi ces buts de merde là? Pourquoi Adler il sort pas? Je suis fixé sur le Y et il ne sort pas quoi. Et ouais, ah c'est nul ces buts quoi. Et là il est fier de lui, il va pas passer le ralenti, rien du tout. Et là Adler, je lui demande de sortir et il sort pas quoi. Allez là-bas, on t'a vu. On t'a vu et on t'a vu. Et le but de qui? De Blaise Matuidi ou de... C'est qui ça qui a marqué? Non, c'est Paul Pogba. Et là, très très belle passe en profondeur de Baines. Et derrière... Eh bien, Pogba qui arrivait en puissance aussi. Neuer qui est vaincu déjà deux fois dans ce match. Chose très très rare quand même, je précise. Ça devrait siffler la fin. Oui, ça siffle. La fin de la première mi-temps. 2-1. Alors qu'on pourrait... On pourrait peut-être gagner un petit peu plus, mais on pourrait aussi faire match nul. Parce qu'il a eu quand même quelques actions assez dangereuses. Et on peut voir qu'il a
un peu plus d'occasion que moi, donc il cadre un peu plus aussi. Par contre, j'ai la possession. Donc c'est un match qui est quand même très serré pour le moment. À vrai dire, en fait, je le trouve nul. Là, le mec en face, je le trouve nul. Mais offensivement, il fait des espèces de crochets là dégueulasses que je supporte pas. Et ça lui permet de s'infiltrer dans ma défense pour le moment. Oh là là, ça fait la technique de salope. Je l'ai vu partir. Je l'ai vu. Ça fait la technique de merde. Ça fait la technique de merde. Oh là là, heureusement que ça a suivi le goal parce que là. Oh là là, cette passe en profondeur, elle est magnifique. Elle est magnifique. Allez, faut pas tout gâcher. Oui. Oh là là, on a eu un peu de chance. Blaise Matuidi, quand même, le contrôle là. Enfin, je crois que c'est Matuidi. Hein. Ouais, c'est Matuidi, ouais. Mais en tout cas, la passe en profondeur là-bas, De Bruyne qui était tout seul. Le centre à mi-hauteur, contrôle de la poitrine qui prend à contre-pied, Neuer. Et ça fait 3 buts à 1. Je pense qu'on est à l'abri. Mais faut faire attention quand même à ne pas en prendre un. Allez, De Bruyne, peut-être pour un centre décisif encore une fois. La tête en plein élan, la tête, ça a bugué. Est-ce que ça va rentrer? Oui, ça rentre. Et 4 buts à 1 à la 82e minute. Après un énorme lag, cette fois-ci, Mario Götze, la tête implacable, ça fait but. À la base, le centre était très très bon, on l'a vu arriver à pleine vitesse sur le centre et du coup, ça pardonne pas. Et De Bruyne qui en est déjà à son deuxième centre décisif dans ce match, pas mal du tout. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Nice. Ah, ouh, chaud, 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 chaud les marrons. Bien joué ça. Et on sort 4 buts à 1, 2 matchs, 2 victoires et on a enfin vécu... Enfin vaincu la malédiction Neuer. On l'a vaincu avec 4 buts en plus. Donc c'est parfait tout ça. Bilan très très positif de ces deux épisodes. Donc c'est nickel. En tout cas, on va regarder les stats avant de terminer cet épisode. Au passage, je vous remercie encore une fois, bien sûr, de m'avoir proposé toutes vos idées et notamment le 4-3-3, puisque vous pouvez voir que ça fait 2 matchs, 2 victoires. Même si le premier, on a failli faire match nul, mais on le chuchote tout doucement. Alors, Adler qui a été homme du match. Ouais, c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup d'arrêts. Il m'en a fait 11 quand même, donc ce qui n'est pas rien. Là, c'est vrai que j'ai eu un très très bon goal. Homme du match, donc c'est lui. Pour ce qui est des buts, Matuidi, Pogba, Götze et Depay, Rémi et De Bruyne qui n'ont pas marqué, mais par contre, ils ont fait des passes décisives. De Bruyne 2 et Loïc Rémy 1. On va voir les stats générales. Donc, on a gagné 570, c'est bien. On a fait 12 tirs, 8 cadrés, 52 de possession contre 15 tirs, 10 cadrés. Il en a fait un peu plus que moi. Il me dominait, on va dire, légèrement, alors que pourtant, j'avais l'impression de dominer. Et j'ai gagné. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On va continuer pour le prochain, en 4-3-3, bien sûr. N'hésitez pas à me proposer des joueurs. Alors, je vous montre rapidement mon équipe. Si vous voyez des petits changements à faire, je vous montre. Donc, vous avez les 11 qui sont affichés. Ensuite, on a du Mertens, on a du Ashley Young, on a du Inigo Martinez, du Ashley Cole, du Candreva, du Walcott, du Schweinsteiger, du Olich, du Sam, du Walker et du Edin Dzeko. Voilà pour ce qui est des joueurs. J'en placerai d'autres la prochaine fois parce que j'en ai d'autres aussi en réserve. Et jusque-là, les amis, portez-vous bien, amusez-vous bien et on se retrouve très rapidement. Merci à tous, bye bye tout le monde!